transport terrestre. C'était en présence de Serigne Mustapha Saliou, fils du calife général des Mourides. Les travaux vont coûter 100 milliards de francs CFA et se dérouleront sur 5 ans. La contribution de la communauté mouride à la réalisation de ces travaux se chiffre à 17 milliards de nos francs. Trois composantes structurent ce vaste programme. Il s'agit des travaux routiers d'assainissement et d'adduction. Avant le démarrage des travaux, le calife a lancé un appel pour l'exécution correcte et dans les délais des différents volets. Nous reviendrons sur la cérémonie de lancement dans nos prochaines éditions. Rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les partis de l'opposition qui composent la CRTE, la coordination pour la régularité et la transparence des élections, a soumis à maître Ousmane Gom un mémorandum en 13 points relatif à l'organisation des législatives du 3 juin prochain, des discussions pour des élections libres et transparentes. Aboubakr Kane compte rendu. Des législatives libres, transparentes et démocratiques le 3 juin, c'est le souci des partis de l'opposition regroupés au sein de la CRTE, la coordination pour la régularité et la transparence des élections. Et cette rencontre. Ce jeudi à Matignon, il remplace ainsi Dominique de Villepin dans ce journal, le portrait du nouveau Premier ministre français. Célébration de Mamgaré Ayof Village, une tradition respectée par les Libous venus des différents villages traditionnels de Dakar. Ce sont là les principales informations que nous allons développer dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 20h. Voyons tout d'abord l'actualité au Sénégal. Démarrage des grands travaux de Touba. Le lancement officiel s'est déroulé hier sous la présidence du ministre d'État Habib Sy. En présence de toute la famille mouride, d'un coût global de 100 milliards de nos francs, la réalisation de ces grands travaux devrait changer considérablement le visage urbain de la ville sainte Ousmane Doï. Décidément, entre aujourd'hui, hier, on reçoit de jeunes candidats. Ouais. 20 ans, vous habitez Romorantin, Nicolas, dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que vous faites ?